nouvelle vidéo, une petite vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas fait ça. Et je suis en compagnie de... Évidemment, on se retrouve avec Charlie. Pourquoi? Parce que c'est de la bouffe. On a reçu un petit colis de chez Kim Chi. Voilà, je sais jamais trop le dire. Donc, c'est des trucs coréens, marché asiatique, etc. J'ai trouvé ça trop mignon parce qu'on a eu un petit mot écrit à la main. Voilà, toute l'équipe de Kimchi Passion vous souhaite une bonne dégustation. À bientôt, Rebecca. Et on va découvrir ce beau petit colis qu'ils nous ont envoyé. Donc, alors déjà, il y a plein de petits... Des petits bonbons, ça c'est à la pomme. Regardez. Ah, ça je peux ouvrir. C'est les trucs de la chance là. Et là, il y en a un gâteau de la chance. Dedans, il y a un petit mot, tu sais. J'aime trop. Et dedans, il y a le petit mot là. Hop, alors... soyez au moins sincère envers vous-même. Un petit mot. Trop mignon. J'aime trop ces petits gâteaux-là. Et dedans, il y a des petites graines. D'habitude, c'est des cookies fortune ou je sais pas quoi que ça s'appelle. Et toi, il y a marqué quoi? Ce qui semble une offre attrayante. Ne l'est peut-être pas. Voilà. C'est bien. C'est un gâteau comme... Comme les langues de chat. Les cigarettes rouges. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est tout mou dedans. Gingembre bonne. Je crois que c'est du gingembre. Ouais, j'ai l'impression. Je te jure, j'ai l'impression. Ah, ben si, c'est du gingembre au miel. Avec miel et citron. Ah, ouais, non. Ah, non, j'aime pas le gingembre en plus, moi. C'est special. Oulala. Ah, c'est tout gélatineux, vous savez. Ah. Tiens, ça goûte. Moi, je goûte avec ma main. Ah non. Oh c'est fort. Oh c'est fort. Ça pique. Donc ça c'est gingembre citron miel. Alors si, au niveau du goût c'est bon. Mais alors pour ça pique. Le gingembre quoi. Hein. Ouais c'est ça. Ça pique, ça rase. Moi je peux pas le finir. Ça a l'air super bon aussi. Ouais ça c'est à la pomme. On le goûtera après. Apparemment les petits ils ont bien aimé. Donc le premier truc sinon que j'avais pris tout à l'heure c'est des Kit Kat à la pêche apparemment. C'est rose. Truc de fou. Des Kit Kat à la pêche. Même pas je savais que ça existait le truc. Donc on va regarder, on va voir si c'est bon ou pas. Attends, comment on va l'ouvrir ce truc-là? On va ouvrir un peu par là. J'ai encore la bouche un peu du gingembre là. Donc c'est bien parce que c'est des toutes petites barres comme ça. Donc pour la dégustation, ce sera que mieux. On va pouvoir goûter une barre correctement. Une petite barre chacune. Et après faire goûter les autres parce qu'on a les deux autres derrière. Là, ils sont bizarres. C'est juste pour son... C'est du chocolat, ouais. Oula, c'est bon. Hein. Ça sent bon. Ça a vraiment le goût de la pêche. Ah, de fou. Oh là là. Ah, c'est bon. Ça a goût un peu du chocolat blanc à la pêche. C'est ça. C'est trop bon. J'aime bien. Ah ouais, c'est ça. Ça a vraiment, vraiment bien le goût de la pêche. Kit Kat au cheesecake. Cheesecake? Ouais. Elle s'écrit en gros. Ah ouais. Elle s'écrit en gros. Regarde, c'est cheesecake. Je sais dire le chinois. Ça va être. Ça va être spécial ça. Oh, c'est du carton leur truc, c'est pas du plastique comme nous. Écologie, écologie les gars. C'est tout petit, tout mignon. Ça c'est cool, ça petit par contre. Mais quoi, c'est vite. Allez. Oh, ça sent mauvais. Oh. Oh. Ah non, mais ça pue les pieds quoi. Oh, c'est horrible. J'ai des horreurs. On vient de manger, hein. Je dis ça, je dis rien. Il y a le chocolat blanc, donc ça c'est cool. Je sais pas, moi j'ai que le goût du chocolat blanc. Oh, ma tête, tu vas voir de tête, tu arrives. Attrape un autre truc. On va tailler les têtes, on va reprendre après. Des mochi au lait. Milky. Ah ouais, c'est des mochis au lait. Ça va bien. Voilà. Ça c'est trop chelou, les mochis. Les mochis, là, ouais. Là, regarde, il y a une version non, facile pas les mochis, à faire. C'est de... au lait. Pourquoi des mochis au lait? Tu fais à la fraise, au kiwi. Mais ils font à tout, hein. Passion. Oui, mais au lait, maman. Tiens. La texture de ces trucs-là. Mais ça... Ah, mais ça... En fait... Attends, je vais vous donner un truc. Moi, la texture, je la voyais pas comme ça parce que moi, je vois que les mochis glacés, pas les mochis comme ça. Oh.
Ah, du non, quoi, moi, c'est pas celui-là que je veux goûter, c'est au beurre de cacahuète. Tina. Ah non, mais la texture de ce machin. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ah, trop la texture. Moi, je déteste la texture. C'est pas très bon. En fait, c'est le truc pâteux à l'intérieur qui est pas bon. Ah, c'est bon. C'est bon. La texture, elle est bien. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est le truc à l'intérieur crémeux, c'est. Je crois que c'est un mix des deux. Non, ouais, c'est sûr, je peux prendre un anglais. C'est dégueulasse. Alors, ensuite. Les mêmes. Ah, ça risque d'être un peu plus meilleur. Ouais. Ah, j'espère. C'est pas que le framboise, c'est pas ça. Je sais pas. Chocolat blanc et framboise, non. Ah, t'as une verre chocolat blanc. Non, mais c'est trop bon le chocolat blanc. Ça me rendait. La texture, franchement, moi, elle est motivée. Trop beau. J'ai vraiment du mal. Hein. Moi, c'est vraiment la texture qui me pose un gros problème dans les mouches. Ah, ça sent bon, hein. Vous avez vu ce truc, comment c'est. Mais regardez-moi ça. Ça me fait penser à la poupille. Regardez. Ah, par contre, ça sent super bon là. Ah, c'est dégueulasse. Il y a du riz dans le plat. Non, mais c'est à moi. Tu dois me le donner à moi. Attends, je te le donnerai après. Regarde. Moi, j'aime trop. Ah. Mais la texture est bizarre. Ah, ouais. Celle-là, par contre. Le goût. Non, je vais prendre. C'est pareil, mais par contre, le goût. Voilà. Ah. Mais exprime-toi. Je sais même pas. Ah, il y a un arrière-goût de farine. Parce qu'il y a de la farine. Il y a le goût de la framboise un peu. Mm-hmm. Mais chimique. Très chimique. Mais. C'est vraiment un petit. Moi, c'est la texture, je te jure, ça me donne envie de vomir. Il y en a, ils kiffent ça. Il y en a, ils kiffent ça. C'est un truc de fou. Je sais pas comment ils font. C'est des Kit Kats à. I don't know. Ah, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des petits points là. À la praline. Je sais pas. Franchement, on va voir. Ça va être la surprise parce que je n'ai aucune idée. Ah oui, là, c'est carrément écrit en chinois de partout. Impossible de d'imaginer ce que ça puisse être. Donc c'est ce que je disais. Dedans, il y a des petits grains comme ça là. Mais ils sont du chocolat blanc beau, hein. Toujours. C'est meilleur que les mochi quand même. C'est comme du chocolat. Je vais voir. Vous voyez pas, il y a des petites mains là, sur les côtés. Goûte ma main. Je sais pas si. Il n'y a rien de fou. Mais je sais pas, j'arrive pas à deviner c'est quoi à l'intérieur. Ça goûte aux Oreos. Moi non plus, j'ai pas. Là franchement. Non, bah écoutez, je sais pas. Je saurais pas dire à quoi c'est. Pour moi, ça a le goût de Kit Kat chocolat blanc. Normal. Des mochi en bâtonnet comme ça. Hein? Donc elle disait que c'était des mochi. Et dedans c'est de la pâte de. Cherry Blom. Comment s'appelle ça, maman? Les flageolets, voilà. Flageolets rouges. Flageolets rouges et la cerise. C'est pas là. Si, cerise. Cherry c'est cerise. Et là il y a des fleurs de cerisier. Bref, on ne sait pas, on verra bien ce que ça va donner. C'est très bizarre. Le truc, oh là là. Ouh là là, ah, ouais, il y a des morceaux dedans. Ouh là là, ouh là là. Il y a des morceaux. Mais là, il y a un gros morceau. Ah non, non. On s'en dégoûte. Il sent bon. Ça sent la cerise, quoi. Je sais pas, il y a une petite texture chelou. En fait, c'est meilleur. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est meilleur, je pense, les glacés, parce que dedans, c'est de la glace dure. Alors que là, c'est tout mou, il y a tout. C'est de la pâte, c'est farineux. C'est hyper farineux. Je pense que c'est meilleur les glacés parce que du coup, c'est dur à l'intérieur. Je sais pas, mais vraiment, moi, je. Alors, maintenant, les mochis au chocolat. Alors, mochis au chocolat. Alors, à Cipari, ils sont tout petits. Est-ce que ça va être meilleur? À Cipari, ils sont meilleurs et ils sont tout petits, ceux-là. J'ai vu sur TikTok. Donc, tout petit. Tu vois? Ah, il y en a 4 dedans. Il y en a encore. Oui, bah oui. Il y a un truc derrière. Oui, mais ça, c'est pour la conservation. Tu sais, c'est pas parce que c'est au chocolat que ce sera meilleur. Il y a beaucoup de farine. Non, c'est du sucre glace. Non, c'est de la farine, non. C'est de la farine. Tout dans là. Oui, effectivement, c'est très... On dirait du slime. Très farine. Oui. Mais ouais, c'est ça. Hein. Voilà, ils sont... Ouais, très bien. 1, 2, 3. Voilà.
Ils sont meilleurs. Mais le chocolat est très chimique. Non, c'est meilleur que ce qu'on a mangé jusqu'à maintenant. Ça me fait penser à une pâte de gâteau au chocolat pas cuit. Ouais, celui-là, franchement, ça passe. Vraiment. Mais c'est fort chocolaté. Ceux qui n'aiment pas le chocolat. Ouais, non, celui-là, franchement, ça se passe bien même. Ça fait du mal. Ça va. Celui-là, ça passe. De tout ce qu'on vient de manger, je crois que c'est les seuls qui passent un peu. Elle est meilleure pour la fin. Ah, elle est meilleure. Après, pour la fin. Allez, ensuite. Alors. Ah ouais, non. Des Kit Kat à la fraise. Ah ouais? Ah ouais. Oh, ça va être bon ça. Si c'est autant le goût de fraise que la pêche tout à l'heure, je pense que ça va être bon. Donc. Ah ouais, l'odeur par contre, c'est une odeur de fou. Ah ouais, là, ça sent vraiment la. Ah, c'est bien. C'est ouf. Ah, ça, c'est mon préféré. Dans ma chambre. Bon. 10 sur 10. Ah ouais, celui-là, il est trop bon. En plus, il y a des éclats de acide. Ah, ça, j'aime trop. Trop bon. Ah, c'est le meilleur truc que ce que j'ai mangé de toute la dégustation. Après, ceux-là. On les recommande. Ah ouais, celui-là, c'est une tuerie. Ah, j'aime trop. Ah, c'est mon préféré. Toi, t'aimes bien le truc avec un peu de caramel là. Les fraises aussi, je trouve que c'est. Moi, c'est la pêche. Sur la pêche, ils sont bons aussi, c'est frais. Maintenant, mon chiffre comme ça. Ça, c'est basique, mais simple. Ah voilà, ah voilà. Pâte d'haricot rouge. Tu veux pas te dire tout ce qu'il y a dedans? S'il te plaît. Ah, déjà que je suis en travaux aujourd'hui, elle a voulu absolument faire cette dégustation là, parce qu'on a reçu aujourd'hui le paquet, fallait faire aujourd'hui le paquet. Ça, elle a grave bien. J'avais pas mangé de la soirée à part ce soir, enfin depuis hier, j'avais pas mangé à part ce soir. Je crois que demain, ça va être pareil. Tiens, demain, on va partager? Ouais, on va partager. Alors, voilà ce que ça ressemble. Ah, tu me laisses tester en premier, quoi. Allez, bon, j'ai le dernier comme ça, là, peut-être pas. Ah, non, non. Des chouchats. J'ai l'estomac dans mon estomac, tu veux que ça j'ai l'estomac dans mon estomac. J'ai avalé moi. Il n'y a pas d'odeur en particulier, mais ça, sent, ça sent la farine. Imaginez que c'est un truc à la farine. J'ai peur en voyant sa tête en vrai. Au début, il n'y a pas de goût particulier. On dirait un truc croquette pour chien de Chili Pelli. Oh. Comment ils font les gens pour aimer ça? J'ai l'impression d'avoir. Mais je comprends pas pourquoi de la pâte d'haricot rouge. Tu mets autre chose dedans. Maintenant, le meilleur pour la fin. Ouais, meilleur. Mais moi, je suis au beurre de cacahuète. Moi, là, il y a juste le mot beurre de cacahuète qui me fait frissonner. Mais il y a tout le monde qui dit que c'est meilleur. Tout le reste. Allez, let's go. Est-ce que ça va être bueno ça? J'ai peur. J'ai vraiment peur, les gars. Alors. Ça dit quoi? Alors. Déjà par-dessus, il y a de quelque chose. Oh ah ouais. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment le beurre de cacahuète de fou. Dessus, il y a de la cacahuète. Non, je pense que ça va pas être écœurant. C'est pas farineux comme les autres, déjà. Ah ouais, tu vois bien le beurre de cacahuète. C'est le meilleur. J'en ai pas voir. Ça n'a pas énormément de goût, mais c'est quand même apprécié. Ah ouais, ça passe crème. Juste parce qu'il y a du beurre de cacahuète dedans. C'est le meilleur. C'est compliqué à avaler. Franchement, super bon. C'est bonne soif. Hein. Ah ouais. Le premier que je kiffe, c'est celui-là. Celui-là, après les petits comme ça, ça va encore. C'est au chocolat comme ça. Franchement, ces deux-là, ça va, ça passe. Les autres, je peux pas. Désolée, avec la meilleure volonté du monde, je. Celle avec le haricot rouge au milieu, là. Oh my goodness. Il nous reste un petit bonbon. C'est un survivant parce que les autres ont tout mangé. T'as la pomme? Ça a l'air pas sec, hein. Bizarre. Non, là, regarde. Eh ben, ils sont bizarres. Ah, melon jaune, peut-être, alors? Non, mais oh. C'est meilleur. De tout ce que je préfère, c'est les bonbons. C'est pas la bonne. Non.
C'est pas du melon en tout cas parce que. En vrai, c'est chimique, hein. Ça colle. Ça colle. Je sais pas à quoi c'est exactement, mais c'est bon, c'est frais. Trop citron vert. Non. Bon, alors, du coup, petit topo. Au niveau des mochi, moi, celui-là, ça a été le premier que j'ai préféré. Et celui-là, en second. Moi, j'ai mis lui, le chocolat. C'est celui-là. Voilà. Et ce chocolat. Mais c'est au chocolat, trop chocolaté pour moi. Ouais, mais bon, c'était meilleur de tout. Franchement, le pire de pire, je crois que c'est celui à la pâte d'haricot, là. Lui aussi, hein. Ça, et ouais, celui à la cerise, je sais pas quoi. Impossible. Le lait aussi, il est bizarre. Impossible. Après, les Kit Kat, j'ai préféré ceux à la fraise. Franchement, ils sont trop bons. Ceux à la pêche, ouais. Ceux au cheesecake. Donc voilà, écoutez, en tout cas, on les remercie bien de nous avoir envoyé tout ça. Ça nous aura permis de découvrir ben, justement les mochi, les goûts, maintenant, tout ça, tout ça. Les glaces. Et franchement, encore ceux-là, vraiment, ça passe bien. C'est vraiment c'est ceux qui passent le mieux. Ceux-là, never. C'est pas possible, ouais, ça va moi. Et là, par contre, j'ai l'estomac, il est en train de tourner virer. Je vais super mal dormir. Je vais avoir l'estomac qui va être genre sur un bateau, là, vous savez. Encore merci une fois, eux, de nous avoir fait découvrir ça. Et voilà, à l'occasion, on essaiera de vous refaire une petite dégustation, mais sur American Market ou un truc comme ça. C'est plus ça le nom, mais un truc américain. My American Market, plein de choses. Voilà. Bon, du coup, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, plein de mochi. Portez-vous bien. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.